azare emi wo ma ya hanwa wa ba na yelin pam ji bana kon ya ansala kam na non ton he ya han poro mi hin bebe clinic mi bebe ne a ti ton na re ni ban poro mi hin ti ton lo to ra han bebe wa why yel mam ton sha ta ra no na ba ta ifam han ki bim ni pa ba salam bala ti lo to ya mo wat be ne di bi wi ya en ki ti mam da ti ma ra han pi la ku mam chu ti chu wa bi mam le ba wa ti chu wa si ro ata ti mam si le ba chen si te ya ba me si to ha to si en ge so absir ku mam da na ku mam ra han pi la na ha mamari rezito da han pila na hawante lo am rahan pisilaye te mam bolo ba to beti nan kasai nan kasewa ti mam lewe si sabro to bana ne kite kamari embole kuma se te ya ngi he ya na sin mam ti bo la wai onde bon nartier lam da ko dam da sare me gidirin ko gode ne yi hin da barata kamfani ko gode ai pe ho ji ni mam changa nan ci pe ha ai to nan tun pe fa ya ji to u kuma am se bare mam changa ko gode mi ya lam pali ta digir me ngana ni ba ni en mi to ji pistane za kam ya hum bo hum ma ne ka da ya to bule gulu ya hin to ma ne nan tun no wa mam ya ni ji wu mi Voyez-vous, le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer de la femme au Burkina Faso. C'est malheureusement le cancer le plus mortel, le cancer le plus létal. Vu que le diagnostic est tardif, les cancers du col de l'utérus finissent dans la majeure partie des cas par le décès de la personne. Et ça sera des enfants et des maris qui resteront sans repère, sans la mère de famille. C'est pourquoi nous disons que c'est une catastrophe naturelle et l'impact est inconsidérable. Sur 10 personnes que vous voyez vers 4h du matin, les 8 sont des femmes. Donc c'est elles qui forment vraiment le pilier de la famille. Et si la femme a des problèmes de santé, surtout en matière de cancer, vous voyez que c'est très grave. Donc la femme burkinabé joue un rôle très prépondérant, très indispensable dans le foyer, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. C'est la maladie, je ne dirais pas la plus bénie, mais c'est la maladie qu'on peut prévenir. Si vous avez un cancer, une femme a un cancer du col aujourd'hui, ça veut dire qu'elle a eu la première lésion il y a au moins 10 ans. La toute première lésion, en cet âge, on pouvait traiter. Ça, on fait la cryothérapie pour enlever. Et si c'est un peu plus avancé, pas cancer, hein, lésion près, on peut faire enlever même l'utérus et tu es tranquille. Mais une fois que le cancer même est installé, le traitement devient compliqué, très cher, coûteux, avec un pronostic très mauvais. Ensuite, il est venu aussi une autre approche de faire le dépistage avec où les femmes peuvent elles-mêmes faire la recherche de l'HPV qui est en train de se faire maintenant. Et le traitement aussi a évolué. Avant, c'était la cryothérapie couplée à la résection pour les larges lésions. Et maintenant, il y a ça, plus aussi la thermocoagulation qui n'est autre qu'un traitement à la chaleur. Oui, les femmes qui font le dépistage, la proportion est très faible par rapport à la population en général. Je dirais que les obstacles au Burkina pour le dépistage sont multiples. Parce qu'il y en a qui disent que, c'est comme j'avais déjà dit, elles ne veulent pas savoir quelles ont et des conséquences de la maladie. Et troisièmement, il y en a qui mettent aussi le côté financier, qu'elles n'ont pas l'argent. Heureusement que maintenant, le dépistage se fera de plus en plus gratuitement. Et aussi, le traitement. Si vous découvrez que vous êtes malade, parce que pour le moment, les femmes font les traitements elles-mêmes. Est-ce qu'une femme peut se payer de faire
une radiothérapie qui n'existait pas ici, mais on vient d'ouvrir la maison. Donc tous ces paramètres-là font que les femmes ne veulent pas se faire dépister. Mais avec la sensibilisation, je pense qu'on va y arriver. Le cancer du col de l'utérus pose un problème de santé publique au Burkina. Et ce cancer touche la gente féminine, qui est la population la plus importante au Burkina Faso. Et c'est un capital humain qui contribue de façon importante au développement économique et social du Burkina. Et c'est la raison qui explique que nous ayons fait le choix de l'attaquer de façon importante, de façon décisive et de ratifier tous les traités internationaux qui visent à éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici l'horizon 2030. Alors, les acquis, c'est déjà réduire les dépenses des ménages dans le domaine du dépistage en rendant gratuit. Et nous avons beaucoup de partenaires qui nous accompagnent à ce niveau pour rendre le service gratuit avec plusieurs techniques jusqu'au dépistage par la technique du HPV. Nous devrons donc travailler de manière à ce que nous rentrons dans le cadre des objectifs tels que fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Quels sont ces objectifs? Notre travail doit nous permettre de faire de telle sorte que 90% de nos filles soient vaccinées contre Human Papillomavirus, le virus qui est responsable du cancer du col de l'utérus, avant leur 15e anniversaire. Nous devrons également nous assurer que 70% des femmes participent à un scénario de dépistage régulier des lésions précancéreuses du cancer du col de l'utérus. Nous devrons surtout nous assurer que 90% des lésions précancéreuses détectées et les cas de cancer confirmés bénéficient des soins de bonne qualité. Ces trois éléments vont nous permettre d'obtenir une incidence des cancers du col de moins de 4 cas pour 100 000 femmes par an. Et c'est cela l'élimination du cancer du col de l'utérus. Nous sommes sur le bon chemin. Sur le bon chemin parce que la vaccination en masse contre le Human Papillomavirus devrait normalement démarrer et le traitement des lésions précancéreuses qui est gratuit. Ces deux éléments sont gratuits, ce qui permet à toutes les femmes d'avoir accès à ces soins, donc d'éviter de porter un cancer du col de l'utérus. Quand on a les deux éléments réunis, la vaccination et le dépistage et le traitement des lésions précancéreuses, on est à même d'éliminer le cancer du col de l'utérus. Nous sommes convaincus que ce qui a été mis en place au Burkina va véritablement nous permettre de nous débarrasser de cette affection gravissime d'ici l'horizon 2030. Le défi, il va être relevé et le pari est possible. Il n'y a pas de problème. Quand les bébés me disent tout le monde type pin pin, ça ne rien à Sam de quoi ça. Ah, pas à me Sam, ça y est, là, on est vraiment bien là. C'est ah, Mohamed qui va te dire non là, on va te la faire une fois. Viens, viens la fois, va la faire Mohamed. Il faut que les femmes burkinabè et les femmes du monde même ne meurent pas de cancer du col, parce qu'on peut ne pas mourir de cancer du col. On peut, si on veut.